Et bonsoir. Désolé, j'étais en train de vérifier les petits problèmes sur mon ordi. Du coup, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode d'Outlast. Oula, je suis perdu. Petit stream d'horreur, comme tous les vendredis. Petit stream d'horreur du plaisir, n'est-ce pas? On va attendre un petit peu quand même. Heureusement que j'ai plus mon clavier mécanique, parce que le bordel que ça ferait dans vos oreilles. Donc du coup on est parti sur... Oui, bien sûr. Ça va. C'est pas... Couleur. Ouais, alors par contre, si je pouvais avoir de l'AZERTY, ça serait pas mal. Ouais, d'accord, ok. Au revoir. Je supporte pas le QWERTY. Je pense que ça, on peut pas demander à changer. Non. Avec les écrans, ça ne m'intéresse pas. Quoique, est-ce que ça serait pas plus mal? Du coup, ça, je les foutrais où? Désolé pour vos oreilles. Alors, du coup, 1982. Ça va, c'est pas excessif. D'accord, au revoir. Celui-là, c'est pareil. Bon, je verrai ça plus tard. Du coup, on est parti pour la suite. La dernière fois, on s'est laissé avec le dangereux médecin psychopathe qui a tenté de nous tuer en nous arrachant. Enfin, qui a essayé de nous tuer après nous avoir arraché des doigts. Enfin, plutôt coupé. J'avais encore la douleur qui me traverse le corps. Du coup, on l'a dézingué.
Il est là. Voilà. Et du coup, faut qu'on essaie de se barrer d'ici. Encore. God damn. On va voir en bas. Eh, hey, inspecteur ou bien? Par contre, je crois que c'est là la suite. Donc, je vais remonter vite fait. Pardon, excusez-moi. Non. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. En bas ou du feu de Dieu mon pote. C'est bien, on voit que les gouttes d'eau mais on voit pas ce qu'il y a dehors. Merci la moto. Ah, le père Marsouin. Sympa. Ah ouais. Ça m'a fait peur. Je vous prie d'accepter la démission de la fermière 53-19-20 David Annapurna avec effet immédiat et de le traiter en tant que patient à Mount Massive en vue de soigner son délire de la persécution. Le traitement se poursuivra jusqu'à sa mort. Merci vieux. Rick Trigger. Ah bah ouais non mais je suis perdu avec les noms. Mais Trigger c'est le médecin timbré là qui est, enfin qui nous a coupé les doigts. J'ai trop peur qu'en me retournant il y a un truc qui me saute à la gorge. Voilà. Gros plan sur le doigt que j'ai perdu. Waouh, désolé pour les yeux.
Ah oui, quand même. Je suis pas la seule victime ici, loin de là, je vois un mec en train de cramer la mort la plus douloureuse qui soit, plutôt que de devoir rester ici. Il est une paire de coronets le bonhomme quand même, parce que la mort par le feu, c'est la plus douloureuse vraiment. Par contre, je sens que je vais me faire strike par la musique, moi. Remarque, ça changera pas d'habitude. Ah, oula. Salut cousin. Comment tu vas? Fait longtemps t'étais pas viendu. Juste tu cru. Attends, mais il se passe quoi là sur sur la pépinière là? Calmez-vous. Je fais un tour sur Dauntless. C'est quoi? Ça me dit rien. Oh, je vais me tuer les yeux. Putain, mais on voit que de chier là-dedans. Je ne vais pas mourir. Une chasse de monstres multijoueurs. Dans le style de Monster Hunter quoi. Si vous voyez des choses, dites-le. Le syndrome psychopathologique de stress de proximité n'a rien de honteux. Parlez-en à votre supérieur afin d'obtenir l'aide d'un conseiller en réussite. Très bien. En gros, si vous êtes fou, même si j'aime pas la comparaison. Bah, déjà, Monster Hunter de base, je suis pas trop fanat du jeu, donc. Faut que j'aille où maintenant? Je suis perdu. Faudra que j'essaye pour voir. Pour voir ce que ça vaut. Je suis un peu perdu là par contre. Ah putain, je l'avais pas vu. Débilus. Little pig. Non. Ah, génial. Sauvegarde qui fait pas du tout plaisir. Y'a pas d'autre dans le système, vous devez tout d'abord ouvrir les deux vannes, évidemment. Un monstre se tue en quoi 5 minutes? Au début et 15 quand tu connais pas. Oh bah ça va! Sympa. Ah oh bah Walker il doit être. Putain. Comment il a fait pour me voir l'enclumer?
putain, il m'a vu vite. Encore moi, je suis pas une référence, je viens de mettre 6 minutes pour péter 5 monstres. Bah ça, 6 minutes pour péter 5 monstres, ça fait quoi? Une minute par monstre presque, ouais, ça va. Ouais, voilà. Parce que tu connais un peu le jeu. Je sais pas où il est. Je la sens pas, je sais pas où il est. Marie Sainte Mère de Dieu. Si tu te retournes, par contre, mon pote, t'es blé. Non, non, avance, avance. Avance. Sur ma tête, avance. Fils de schmout. Je suis dans le noir, il me voit pas. En théorie, il peut pas me voir. Viens d'éviter la catastrophe là, par contre, hein. On sait pas ce fils de schmout, fils de schmout. Mais putain, you. Enclumé. Je viens de sortir mes coronesses là pour faire ça. Mon dieu. Par contre, pour rien faire au final. Parce que je suis pas du bon côté. Je suis dans la. Je suis dans la mouise. Dans la mouise. J'ai fait le jeu mais il y a longtemps, m'en souviens plus du tout. Bah moi je le connais pas autant qu'avant. Mais bâtard. De poule. Il est où?
Ouais, alors par contre, les machins Fortnite, je m'en tape en fait. Epic Games, la tête de mort. Avec leur jeu à la mort, là. Pire jeu au monde, ce truc. Ça et lol. Quoi? 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 Putain, le bâtard, il m'a fait. Oh l'enculé, putain! Comment il a fait pour me voir? Oh, je viens de me péter les cordes vocales! D'ailleurs, Dauntless est dispo sur toutes les plateformes. Ah! Je viens de me détruire les cordes vocales! Bah, déjà, qu'est-ce qu'il foutait du côté où fallait sauter par-dessus? Parce que je sais pas si t'as vu, mais j'étais du côté du bureau où, dans les deux cas, fallait sauter par-dessus les bureaux pour aller dans la zone où j'étais. Donc, à quel moment il est passé là? Donc là, c'est une pause PC, PS4 et une Switch. Cross-platform ou pas le jeu? Oh, trop bien. Je pourrais le mettre sur ma PS4 du coup. Ah, mais toi, par contre, frérot, tu fais peur. Ah, tu fais pas autant peur que tête de mort, mais gratuit et sympa pour faire des parties rapides. Ouais, bah écoute. Ça te dérange pas, on essaiera tous les deux un de ces quatre. Ah putain, une vanne sur deux. J'ai rugi de bulle. Qui fait pas peur dans cet asile? Honnêtement, qui fait pas peur? Le prêtre. Limite, il me réconforte en fait. Les cadavres, ils font pas peur. Ils bougent pas. Le pire exemple. Là, je pensais qu'il allait m'apprendre quelque chose, enfin qu'il allait me donner quelque chose lui, mais ah, du coup faut que je trouve la deuxième zone en fait. Je l'attendais le cadavre. Ah, en même temps. Par contre le gros là, cochon man là, laisse tomber. Qu'est-ce que tu fais toi? Reste là. Tête de mort. Tu l'as dans l'oignon des cons. Non mais non mais non mais il retourne pas tête de mort. Attends qu'il se barre. T'as un bon bidou toi, si t'étais pas aussi fêlé, j'aurais bien posé ma tête sur ton bide, ça aurait fait un bon coup ça. Moi timbré? Ouais, clairement. Par contre, du coup, faut que j'aille où? Putain, il fait bader à faire des trucs comme ça là en mode. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde derrière, je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde derrière, et je retourne en arrière. Tu vas pas me dire qu'il revient sur moi là.
J'ai le 2 aussi d'ailleurs d'Outlast, mais je le ferai pas tout de suite. Je vais alterner sur les jeux d'horreur. Parce que le dernier en date c'était Amnesia. Là j'ai fait le premier Outlast. Faudra que je regarde à la fin du stream quel jeu faudrait que je fasse. Hop, on retourne dans le noir. Il y aura un catch chétan. Il est encore pire niveau flippette le deuxième. Ouais, je sais. Ouais. Ah, le 2 par contre, sans, je le connais pas du tout. Enfin, j'ai vu des trucs, mais. Il va me tomber dessus. J'ai vu des trucs. Enfin, des parties. Mais je l'ai pas vu en entier, du coup, je sais très bien que je vais me faire dessus en fait. Alors attends, je viens d'où moi? Moi je viens de là-bas, donc faut que j'aille là-bas. Faut que j'attende qu'il passe. Comme ça, il va là-bas. Je suis un débilus. J'aurais pas dû la fermer. J'aurais pas dû la toucher la porte. Heureusement qu'il y a une option de zoom hein, sur la caméra. Parce que c'est là que je dois aller. Sprinkler valve. Ouais, c'est ça. Peut-être une mauvaise idée ce que je viens de faire. Salut les amis. J'aurais pas dû me planquer là, j'aurais dû tracer, me planquer là où j'étais. Est-ce que l'IA est bien fait ou est-ce que je vais me faire éclater? Avec ma chance de cocu, je vais me faire éclater. Non. Putain. Mauvaise langue. C'est rare. Joprayer, je vais courir.
J'ai pas envie de bouger parce que j'ai pas envie de me faire éclater en fait. Alors, désolé, j'essaie de pas me faire shooter. Lentement mais sûrement, comme on dit. Forcément. Wesh. Aïe. Par contre, il va falloir qu'il m'explique comment il m'a chopé, hein. Il est beau, l'IA, hein, je suis d'accord, mais là, c'est un peu just en fait. Non, 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 non. Rentre chez ta mère, t'as fait des gaufres. Ouais, c'est ça. Non, non, mais non. Non, non, mais tu vas. Non, mais tu vas rien faire, tête de mort. Dégage. Rentre chez ta mère, t'as fait des gaufres. T'es moche. Sérieux. Moi, la paix. Tête de gland. Je la connaissais pas celle-là non plus. De quoi? Rentre chez ta mère, t'as fait des gaufres? C'est connu ça. Oh merde, putain! Bon bah j'ai un niqué une pile. Oh, c'est connu ça le. Rentre chez ta mère, t'as fait des gaufres. Putain, il m'a fait peur le machin. Oh, ouais, quel chétan. Je suis pas au bon endroit. Je vois pas où je vais, putain. Voilà, bonjour. Ça, c'était sûr. Ça me fait penser à une scène dans de je sais plus c'était quel streamer ou quel youtubeur qui avait fait un truc sur Resident Evil 7. Ils ont montré que le personnage qui devait être dans une zone n'y était pas avant la cinématique. C'est pas très Charlie ça les mecs. Oh du café. C'est quoi? Oh miam. Qui c'est qui veut des cacahuètes? Je l'ai déjà dit mais cet endroit. Je l'ai déjà dit mais cet endroit. Est un vrai merdier, enfin il me reste quelques doigts. Bah t'en as perdu deux ou trois, ça va. Oh là, il y en a ils en ont pas. Il y en a ils sont manchots. Arrête de te plaindre. Ah, je suis allé trop vite pour le jeu. Tu sais, je peux t'en sortir beaucoup, hein, Kouza, des expressions à la con. Ta mère l'autruche,
Bon, chez ta mère, t'as fait des gaufres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ta mère la chauve, ta grand-mère la chauve. Non. Clairement pas, non. Oh, attendez 2 petites secondes. Non, je suis pas en train de regarder des astuces sur internet, je suis sur Discord. Alors, programme MK Ultra, document CIA Mori numéro 140401, PP1, 5 et 9, extrait à dossier objet recherche spécial Bluebird. Un. Problématique générale, depuis plusieurs mois, Bluebird a cherché à établir par des recherches, études, instructions et quelques essais pratiques la valeur éventuelle des techniques SI, sommeil induit et H hypnotique. Ouais, d'accord, c'est quoi, c'est quoi ces vieux. Oh là là. Pardon. Dans le cadre d'un conflit et des tâches spécifiques de l'agence, est-il possible de générer par contrôle post-H une action contraire aux valeurs morales élémentaires d'un individu? Est-il possible de garantir une amnésie complète dans toutes les conditions? Est-il possible d'altérer la personnalité d'un individu? Si oui, pour combien de temps? Quelles sont les caractéristiques complètes d'une machine à induction de sommeil? Bah, déjà, par logique, tu peux changer la personnalité d'un individu si tu l'hypnotises. Enfin, s'il est réceptif à l'hypnose, déjà. C'est un détail à pas oublier, ça, quand même. Il y a des gens qui sont réceptifs, d'autres non. Il faut que le mec il soit bon aussi dans l'hypnose. Ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas. Attends, je suis vraiment venu dans cette pièce pour qu'elle chétane là? Ah, je suis déception. Oh, ah, je suis déçu. Oh putain, je suis dehors. Et là, par contre, c'est le gros problème parce qu'on voit que dalle. Dehors. D'ailleurs, de mémoire, il y a le gros dehors aussi. Il y a le gros. Enfin, je crois, je sais plus. Ou alors c'est pas maintenant qu'il est dehors. On est d'accord qu'il y avait un bruit suspect là. Je voyais un truc bouger au fond, j'ai cru que c'était lui. Encore? Alors, je ne connais même pas votre nom, mais j'en suis venu à vous considérer comme l'un des miens, mon Paul. Alors, déjà, tu vas te détendre 2 secondes. Je m'appelle pas Paul, je m'appelle Pierre déjà. On mélange pas Pierre, Paul, Jacques, s'il te plaît. Et je ne t'appartiens pas, j'appartiens à personne, c'est bien compris? J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et j'espère que vous ne succomberez pas à la vanité de l'apitoiement sur soi, que vous ne craindrez pas de souffrir plus que votre prochain. Ça dépend. Souffrir dans quel sens? Dans le sens mental, c'est déjà fait. Sens physique, on va se détendre, clairement. Nous devons tous endurer ceci. Non, s'il te plaît. Bonsoir, madame Rebelle.
Et vous êtes presque au bout du chemin. Ah bon? Et vous allez me laisser sortir, ça veut dire? Car le seul chemin qui mène au paradis est celui de la croix. Oh, génial. Et chaque homme a besoin de quelqu'un d'autre pour y planter les clous. Eh, vous avez cru que je m'appelais Jésus en fait. Je suis là pour vous. Non, mais moi je veux pas que tu sois là pour moi. Moi je veux que tu sois là pour crever surtout. Je vous ai précédé, mais je vous attends. Mais rentre chez ta mère, t'as fait des gaufres, frérot. Laisse-moi partir. Je suis journaliste, hein. Je suis pas. Putain, comment ils appellent ça là? Ouais, t'es venu parce que je t'avais demandé, méchante. Putain, merde, comment ils appellent ça là? C'est pas les apôtres, les disciples? Non. C'est pas les disciples que je cherche comme mot. Je me rappelle pas du mot que je cherche. Je suis en train de me faire caca dessus. Je crois qu'il est là, lui. Wesh, frérot, calme-toi, c'est bon, c'est que de l'orage. Sérieux, t'as 30 ans. J'avais la flemme, d'ailleurs, bon, je vais chercher le chat. Très bien. Oh, belle. Ah, trop bien! J'avais même pas fait gaffe que sur ma manette de PS4, on pouvait voir le. Là, le niveau de batterie. Qui est pas ça? Je crois qu'ils ont tenté de me faire peur. Mais je crois que j'ai raté la scène en fait. Putain, c'est quoi ce truc? Rentre chez ta mère, t'as fait des gaufres tête de. Genre de truc qui doit faire peur, mais moi je m'en fous. Ouais. Putain, j'avais oublié qu'il était là lui. Le truc qui doit faire peur. Ouais, non, mais c'est. En fait, le truc qui est marrant avec moi la plupart du temps, c'est que à chaque fois qu'il y a un gros screamer dans un jeu, la plupart du temps je le rate. Donc, du coup, je rentre pas dans le jeu. Non, non, mais vas-y, va wallrider ailleurs, s'il te plaît, frérot. Va wallrider ailleurs. Putain, j'ai un nouveau verbe. Oh, mais il est-y, mais. Oh mon cerveau. Oh j'ai le cerveau qui a fondu là. Genre à quel moment tu fais ça frérot? Attends, faut que j'aille de quel côté là? C'est pas par là, très bien. Je connais le jeu. Je suis plus impressionné. Ah mais y a des trucs que je me rappelle, mais y en a d'autres, c'est un peu. Ça remonte à loin en fait. Ah, oh, puis alors ça, j'aime pas là. Oh! Pour quelqu'un comme moi qui a le vertige, bonsoir. Heureusement que je peux pas le faire en VR le jeu. Ah, très bien. J'ai chié mon seau. Bon bah, je suis mort. Fin du stream. Au revoir. C'est quoi ça? Ah, oh, c'est le Nightbot. Pff. Très bien. Oh, mais je l'avais pas bloqué. Ah, oh, mais si, je l'ai bloqué, mais je l'ai pas supprimé de. Ouais, bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Fais bisous.
truc qui m'a fait un bisou, ça y est, sans pipisser le machin. Par contre, c'est con, tu meurs, mais tu te retapes le screamer derrière, ça perd de l'intensité en fait. C'est de bon, c'est de bon. Le bot t'es moche. Bon. Putain, il veut plus courir. Non, non. Ah. Non, mais. Maintenant, faut que j'aille où? Là. Ouais. Sur la vie de ma mère, t'as même pas intérêt à te lever, toi. Tu restes mort. Il y a des chaînes. Ils sont plus là, Noix de Coco Man et Tête de Gland. Je sais plus. Par contre, faut que j'aille où? Il y a un truc que j'ai pas dû voir. Puis les piles en plus ça se décharge à une vitesse. Oh, oh c'est insane. Ah oui, ici. Je suis presque sûr que je vais me chier dessus dans cette zone. C'est délire frérot. Toi tu vois son fantôme, moi je vois des timbrés. Tu vas commenter toi? Oh ça va, tu ressembles à un d'autre. Ah bah c'est pas là que je vais tomber sur Tête de Noix de Coco et son frérot. La musique calmos par contre. Je vais trop vite pour le jeu. Pourtant j'y vais tranquille. Non, c'est parce qu'il arrive pas à charger les textures. Parce qu'il a face est blessé. Alors là par contre c'est violent. Bon. Très bien. J'espère que le jeu il a pas crashé. Parce que sinon je vais pleurer. Il veut commencer parti, à mon avis le jeu a crashé. Je peux rien faire. Ah putain, évidemment. Fallait que le jeu crache maintenant. Ah genre je peux vraiment plus rien faire quoi. Y'a qu'à moi que ça arrive ces merdes. Le pire, c'est qu'il y a encore le son du jeu, quoi.
Y a juste plus les interactions que je peux faire en fait. Oh putain, puis en plus j'étais loin. Oh, va falloir que je rattrape une heure de... du bail. Ah bah non, c'est bon, il y avait la sauvegarde avant. Bon, attendez, je vais couper le jeu, je reviens tout de suite derrière.